Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la suite de Brief of Fire 2. La dernière fois, nous devions aller au sud-ouest du continent, mais une très très large même brume s'est levée et on nous a dit « Ah, c'est pas ouf tout ça, faudrait voir à la tour ciel ce qui se passe. » Et il s'avère qu'à la tour ciel, eh bien, il y avait l'initié du vent. Je crois que ça s'appelle comme ça, qui était là, tranquille, et qui s'est dit « Ouais, moi j'aime bien, j'étais tranquille dans mon coin, désolé, vas-y, j'arrête. » Et donc elle s'est arrêtée, nous avons pu récupérer beaucoup d'équipements, notamment découvrir qu'il y avait un marchand qui vendait des gros trucs extrêmement forts, donc j'y retournerai sans doute un autre jour. Mais pour l'heure, nous retournons au Vallée de la Brume, qui se trouve juste au sud, si tout va bien, si j'arrive à y aller sans trop de rencontres aléatoires. En même temps, ça fait un petit peu de grinding, parce que vous le voyez, le niveau de chacun, de Aspa, de Butch et de Dend, sont assez bas par rapport au mien et par rapport aux autres membres de l'équipe. Et Ekal, c'est une catastrophe, je ferai l'XP de ce perso plus tard, parce que c'est une catastrophe au niveau de sa défense. Voilà, nous arrivons donc à la Vallée de la Brume. J'aimerais avoir Ryu, s'il vous plaît. Là, le but du jeu, c'est d'aller au sud. Ok, donc, Vallée de la Brume. Je vais appeler ça comme ça, le titre, ce sera cet endroit-là. J'ai testouillé un combat. C'est pas ouf. Ah bah tiens, les aiguilles. Et la tête volante. J'espère que cette session va bien se passer, comme la dernière fois. La dernière fois, c'est très bien passé, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Notamment avec Butch qui tire deux fois, sauf que l'aiguille, ça riposte, évidemment. Ah, ça riposte bien en plus. Donc je vais peut-être déjà devoir utiliser des soins. Heureusement que j'ai racheté pas mal de soins. Bon, moi je suis niveau 31. Je m'en fiche tellement. Je suis un monstre. Les autres camarades cependant sont des tanches. Est-ce que j'y arrive seulement avec 13? Non, pas utiliser, je crois que c'est... Oui, il peut se soigner. Il peut se soigner, c'est bon. Ça va. Bon, je vous souhaite, ça va encore. On va continuer au sud. Ça va bien se passer. Et bah c'est fini. Et bah voilà, bon bah on va attendre un peu de renommer cet épisode. Petit village, je veux y aller. Alors, qu'est-ce... Oh! Ah, oh, attendez. Nous avons de grands corps, mais nous sommes adaptés pour nous occuper des cochons, vous ne trouvez pas? Oh bah attendez, je vais mettre Land. Ah, oh, c'est raciste, ils ressemblent à Land. Hey, est-ce que c'est toi, Land? Quand es-tu revenu? Ah, on est où là en fait? On est à la ferme. Est-ce que je vais faire un petit... Non, pas de petite save tout de suite. Mais ouais, je l'ai vu tout de suite, il ressemble à Len. Hey, est-ce que c'est toi Len? Oui, d'accord, ok, blablabla. Oh, Len, comment c'était? Et le travail? Quelque chose d'intéressant est arrivé? Bon, d'accord, très bien, merci. Oh, Len, tu n'as pas aimé la ville en fin de compte? PTDR, t'es qui? Je vais parler avec Ryu. Je dois aller à Sainte Nawada pour prier pour une bonne récolte. Si tu le dis. Donc ouais, on a des discussions différentes avec les autres personnages. Bon, on va visiter un petit peu ce village. Les gens de l'église de Saint-Éva ont beaucoup rendu visite à Daisy récemment. Je sais pas qui c'est. Je pense qu'ils veulent construire une église sur sa propriété. Hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous connaissez Daisy, la porte à côté? Son fils est parti il y a longtemps. Oui, très bien. Il n'y a rien.
Y a rien. Non mais moi j'explore. Hein. Je vole. Nous sommes dans un RPG, messieurs et dames. Qu'a-t-il là-dedans? Un sou? Ouais, de la thune. Les sous, je sais toujours pas à quoi ça sert. Ça se trouve, une heure avant le endgame, on va me dire hey, « en fait, ce que t'as récupéré, c'est pour ça. » Ok. Mais c'est long. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Non, misérable. Qui me parle? Ou les vieux. Oh, Daisy, calmez-vous. Nous voulons seulement construire une église. Fermez-la. Ah, je ne crois qu'en ça. Namanda. Pourquoi vous laisserais-je construire une église? Oh la vache de tête. Bah d'accord. Bah l'histoire elle est là en fait. Qu'est-ce que je m'ennuie? Et c'est une très grande maison. Oh mon dieu, c'est une cinématique. Bonjour. Je sais plus quelle voix je fais. Bonjour, je suis de retour. Aïe. Et qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, gamin stupide. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis de retour. Me fais gabrouler comme ça à son âge. Où étais-tu? Et que faisais-tu? Je suis parti pour travailler, maman. Travailler, si tu veux travailler, pourquoi ne restes-tu pas dans ce village pour labourer les champs? Maintenant que tu es rentré, j'espère bien que tu vas labourer ces champs. Maman! On pouvait aussi l'aider. Au travail! Nous commencerons demain. Quoi? Mais j'ai pas payé pour ça. Farming Simulator, c'est pas la bonne époque. Maintenant, labourer et nettoyer. Le terrain en friche l'adore. Allez, si vous voulez travailler, si vous travaillez trop lentement, je ne me nourrirai pas. Oh mon dieu, il nous a par la bouffe. Ok. Oh mon dieu, c'est un combat contre un caillou. Pardon? Excusez-moi. Attendez, pardon. Je me bats contre un caillou, c'est vrai ou c'est une blague? Je crois que c'est pas une blague. Oh mon dieu, quel combat incroyable. Ce caillou est de toute évidence beaucoup trop fort pour moi. Alors que ce coup critique de 1... Non mais c'est vraiment une blague. Je comprends pas. Je vous laisse l'absurdité de ce combat qui est en même temps drôle. Oh mon dieu, j'ai battu un caillou. Putain, si j'avais su, j'aurais mis une cale avec moi. Attendez, je vais aussi me battre contre des souches. Ah putain, c'est vraiment une... C'est vrai? Oh mon dieu, cette souche d'arbre est beaucoup trop puissante. Vite, un coup critique. Un 292. Mais elle résiste cette... Elle résiste cette souche d'arbre. Oh mon dieu, elle est beaucoup trop résistante. Elle va bien peut-être nous attaquer si nous ne faisons rien. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Je sais pas. Je pense que la miniature, ça va être ça. Un caillou, une souche d'arbre et une friche. Personne va con. Oh, mais c'est tellement ça. Ce buisson est beaucoup trop impressionnant pour nous. Il faut que nous fassions toutes nos forces. Je peux pas être... C'est pas sérieux. Essayez de comprendre. Autant des combats, on va dire stupides, j'en ai vu, mais alors celui-là, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. J'aurais dû amener Cal avec moi, je peux pas faire demi-tour. Ah, j'ai les points de vie cette fois. Oh, mais au secours. Mais aidez-moi, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Quelqu'un. Messieurs les développeurs, c'est une idée incroyable, mais c'est beaucoup trop sérieux ce que vous avez fait.
Non, c'est beau. Moi, j'accepte. C'est une grande idée. On est à 10 minutes et meilleure idée du jeu. En tout cas, grosse riche. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Oh mon dieu, c'est un vrai combat. Sans deck. Putain, j'y croyais plus. J'y croyais plus du tout. Je me suis dit putain c'est les génies ils vont jusqu'au bout mais non. Ils se sont dit bon le mec sérieux. Alors on avait des gris et des or et là on a du marron. C'est une très belle couleur marron. Je retiens que les armes tranchantes c'est utile. T'as pas un autre sort toi? Pompe, je suis même pas sûr que ça marche. Waouh, l'efficacité. J'ai fait ça, mais quel coup. Je suis vraiment nul. Ah, c'est vrai que Botch il a mis. Ah, j'avais zappé ces détails. Attends, donc ça, c'est vraiment un boss? Mais arrête! C'est quoi si je fais lève sur Ryu? J'ai envie de tester des trucs. Ça fait que je lui mets un pain dans la gueule. Excusez-moi, je suis pas bien sûr de comprendre. Je suis pas bien sûr de comprendre ce qui se passe. Je dois être un peu con. Ouais, je pense que je suis un peu con. Je sors plus des super critiques comme attaque, c'est bête. À un moment, j'en faisais plein. Bon, c'est vrai que moi, je peux me transformer en dragon. Donc, faut que ça serve. C'était bah voilà. Putain, qu'est-ce qu'on s'ennuie dans la vie. Waouh, j'ai labouré les champs. C'était passionnant. Vraiment juste, j'étais à fond dedans. Je pouvais changer d'équipe, je suis sûr que je pouvais le faire. Voilà, brave garçon. Ah, je prends très bien quelque chose dans le sol que vous avez labouré.
Faut que j'aille chercher de l'eau, c'est ça après? Je vois dans le scénario, messieurs dames. Ah, je suis désolé de vous avoir fait subir ça. Elle est tellement têtue. Ah, si nous l'aidons un peu. Ah, je suis sûr qu'elle se sentirait mieux. Sentira mieux. D'accord. Est-ce que ça veut dire que j'ai récupéré full PV et full. Oui. Oui, le jeu est bien codé. Le jeu est bien codé. Allez, j'ai pas fouillé la cuisine. J'ai trouvé une assiette. Excusez-moi, je suis pas bien sûr d'avoir compris. Une assiette. C'est donc un bouclier. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que vous foutez vraiment de moi? C'est pas une blague. Je suis stupéfait. Je crois que c'est le mot. Une assiette. C'est une très grosse assiette. Hein. Alors, je pense que c'est une énorme assiette. Bon, qu'est-ce que... Oula, elle bouge partout. Oh, je m'occupe de ce champ. Allez à l'ouest, jusqu'à Namanda, va y prier pour une bonne récolte. Bon, bah... Bah, go à l'ouest. Ça va me permettre aussi de me balader un peu dans ce... Dans cette carte. De faire de l'exploration. J'aime bien faire l'exploration, je sais pas où. Et aussi d'aller voir un petit peu plus... Non, il n'y a rien d'autre. Donc, du coup, je vais faire ma sauvegarde, maintenant. Oui, je continue mon voyage, j'ai encore un peu de... j'ai encore du temps. Des beaux cochons. Alors, faut que j'aille à l'ouest. En effet, il semblerait qu'à l'ouest. Alors, un peu à l'ouest de là où je suis, il y a quelque chose. Et au nord-ouest, juste avant le pont, il y a autre chose. Donc, je vais me balader jusque là-bas. Alors que l'émulateur a... à la gouiller pendant 4 secondes. Ah, il y a des golems dorés. Alors ça c'est très 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 intéressant. Les golems dorés, c'est la max en termes d'expérience. Je vais pas cracher dessus. Bon, les armes... Les armes conventionnelles, à part Ryu, c'est inutile. Mais par contre, les sorts, c'est le plus worth. Qui existe. Oh mince. Voilà, 3000 d'XP divisé par 4, ça doit être le plus mieux. Oui, je dis le plus mieux. Comprenez, mon français n'est pas ouf. Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est que des petits monstres que j'ai déjà vu ça. Oh mon dieu, 30 points de vie, combien? J'avais tellement peu de dégâts que c'est indécent. Mais 3000 d'XP, pas mal. Alors attends, si je vais à gauche... Oui, à gauche, il y a quelque chose, mais je crois que je suis déjà allé. Ah, je vais y aller quand même. Pour l'entertainment. Bon, je peux pas y aller, mais je voulais savoir. Ah, ça, c'est des choses que je ne connais pas, et quand je connais pas, ça m'intéresse. Et ça a beaucoup d'endurance, et il y a peut-être quelqu'un qui va mourir. Beaucoup d'endurance, beaucoup de vitesse. Je vous jure qu'un jour je vais arriver à parler. Un jour.
Ça a pas l'air d'être des grosses zones dures, mais pas mal d'XP qu'on peut se faire. Alors là, s'il y a rien, ah, y a rien. Cette manière de d'avoir posé les arbres, ça fait rien. J'avais cru qu'il y avait un petit quelque chose de caché, mais non, ils ont été plus classiques que ça. Bon, et ben le golem, c'est toujours l'XP, hein, moi je prends. Ça pourrait être une très bonne zone pour faire l'XP avec Ekal d'ailleurs. Faudrait que je renseigne. Ah ouais, mais arrêtez de m'attaquer. Arrêtez, monsieur. C'est pas très gentil. Ça fait quoi, nature? Vas-y. Nature, vise, et puis baleine, on s'en fout. Je vais tenter des trucs, voir un peu ce que ça fait. Essayez de m'en souvenir. Et bah, ça fait rien. Alors, le vert. Ça fait du soin. Il n'aurait pas pu me le prévenir avant, cette espèce de... C'est un soin tellement gratuit, pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Je suis... déçu. Alors par contre, je crois que ça a sûrement une chance sur deux de répondre favorable. Donc c'est pas le truc le plus quali et le plus worf que je vais utiliser tout le temps. Ah, par contre, j'aimerais bien qu'il y ait à un moment un équipement un peu meilleur que celui que j'ai. Ça se trouve, c'est le cas. Ça se trouve, dans le village, j'ai raté une échoppe. Et vous allez m'insulter. Mais je l'ai pas vu. Donc, si je l'ai pas vu, bah, elle n'existe pas. On va peut-être aller à gauche, hein. Alors que je vois une petite grotte. C'est peut-être ça que j'ai vu. Ça se trouve, en haut à gauche, c'est Sainte Namanda. Enfin, là où je dois aller. Et là, il y a une grotte pour des trucs. Allez, c'est Aspin qui se la prend. Ah, pas deux fois. Alimat. Qu'est-ce que j'ai droppé? Augmente l'agilité. Oh. Kixeti, qu'en est dans l'agilité? Agilité 82. 46, 60, 30. Ah, je vais te mettre un poil d'agilité, mon petit brooch. Ça fait quoi déjà? Je m'en fous. Ça fait quoi? Augmente l'esprit. Alors, c'est botch. Un petit peu d'agilité en plus. Donc, on peut dropper de l'agilité là-dessus. C'est intéressant. La grotte. Ouais, j'irai après. J'irai après. Je pense que l'histoire veut que j'y aille après. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Enfin, de la cohérence. Après avoir combattu des cailloux et des souches d'arbres, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la cohérence? Je ne sais pas. Bon bah, Aspa va avoir un petit retard au niveau de son XP. C'est pas grave, tout va bien.
Et je vais leur mettre en vie. S'il vous plaît. Parce que j'ai découvert qu'au botch, elle se sort. L'utiliser serait quand même pas mal. Je vais quand même essayer d'utiliser le moins possible parce que ces PM ne sont pas un. Pardon, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Excusez-moi, je suis pas bien sûr de comprendre ce qui se passe. Vous êtes en train de me dire que. Je suis Kéblo. Enfin, ou que la grotte, c'est là où je dois aller. Non, parce que j'avais pas compris ça comme ça, moi. Je suis un peu bête, vous savez. Je lis trop vite, des fois je vais beaucoup trop vite dans ce que je fais d'ailleurs. Bon, ça personne me le dit, mais je pense que c'est ce qu'on doit penser de moi. Pense, hein, évidemment. Faut que je répète 4 fois les mots. Donc c'est la grotte. Et bah votre 22, pas mal. Donc je vais à droite. Hop, hop, hop. Petite grotte ici. Alors qu'un beau golem marbré arrive pour l'expérience, évidemment. On en remercie. C'est sympa. Les flammes alors que t'as pas de magie, MDR. Oh mon dieu, c'est critique à 1. C'est beau. Magnifique. Je vous jure, je prendrai un arc glacé à beau quand je voudrais. Oh, quel punch. Incroyable. Sauf qu'il va mourir en fait. Là, t'es mort. Et je vais utiliser un petit objet de soin. Je remonte à combien? Je remonte à 8000. Ça a quand même, je pense, aussi farmé l'argent. Franchement, si je ne peux pas farmer l'argent, je ne sais pas. Alors, c'est là où je dois aller, je suis sûr. J'ai. Ah, mais. Ah, je me suis trompé de bouton. C'est. Ah, bah, c'est Namanda. Eh ben, j'ai été presque. Bonjour. Vous êtes à Namanda, un lieu dédié au dieu de la. Ah, oui. Vous êtes un Namanda, un lieu dédié au dieu de la terre et des moissons. D'accord, je vais faire un petit peu prière. Namanda, le dieu de la terre et des moissons, le dieu de l'agriculture. Mais très bien, frère. J'ai gagné une médaille. Mais je sais pas à quoi ça sert, vos trucs. Oh, arrêtez de me donner des machins et alors je sais pas ce que c'est. Bon, excuse-moi, j'aimerais. Non, vous êtes. Oui. Non, bon, je sais, attends. Bon, frère. Pardon, excuse-moi. Priez Dieu pour une bonne récolte. Je vois, vous pouvez passer. Pourquoi je la sens pas? Priez Dieu pour une bonne récolte. Oui, Oh mon dieu, c'est un combat. Bonjour, salut. Attends, je vais t'aider, frère. Hein. Quand même, je suis pas un salaud. Oh, un sprgom. Ça, c'est de l'XP en barre. Et quand je vous dis que c'est de l'XP en barre, faut pas que je le rate. Ça, avec ça, il y en a un qui prend un niveau. Le reste, pas like. Mais alors, si je peux me faire de l'XP dans cet endroit avec les sprgom, j'y vais. Je pense qu'à la fin de la session, petite séance d'XP. C'est fou comme le pollen, ça fait super mal. Je vais me soigner quand même. Hein. 8000 d'XP, est-ce que vous avez vu ça? Apprend 8.0, pardon. Excusez-moi, j'ai pas la ref. Tremblement de terre, 8.0. Ah. Ah, ok.
j'ai la ref. C'est parce que 8.0, c'est la force, tremblement de... Non, bon, d'accord. Bonjour. Frère. Oh, c'est aussi un entraînement de combat pour moi, des monstres de ce genre. Ah, c'est un entraînement. Ok, bah, reste dans ta merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce pata... Eh ben, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de dire, ok, je donne ta chance. Vas-y, impressionne-moi. Parce que c'est un peu ça, l'esprit d'équipe, c'est de dire, t'as appris un truc, vas-y, donne tout. Montre-moi ce que t'as appris. Bah, c'était visuellement impressionnant, visuellement ce moment. Visuellement j'y étais, mais non, pas la suite. La suite m'a pas plu, donc pas ouf. Ah. Nous faisons sonner cette cloche quand il est temps de prier. Oh, il est presque temps. Eh ben, c'était d'accord. Nous faisons tout sonner à l'unisson. Si notre rythme ne correspond pas exactement, nous ne pourrons pas annoncer le moment correct. Alors, le feu, les pics, ça sera classique. Le... être enterré, tiens. Monsieur, ça va bien? Laissez-moi, je... Très bien. Monsieur, je crois que je gêne, hein. Alors par contre, si je dois reproduire cette musique à un moment du jeu, non, ça ne va pas, messieurs dames. Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de diversité dans ces combats, je trouve. Ça va de facile à très dur, à moyen dur, à très facile, à... ça fait des vagues. Un groupe de difficulté, des vagues. Bonjour. Voulez-vous donner 100 zénith? Oui. Non. J'ai prié, ça y est, je... Bah non. Non. J'ai prié. Je crois que j'ai prié. Hein. Oula, il se passe des choses. L'émulation est en boue. L'émulation se passe mal. L'émulation ne va pas bien. Et moi j'ai donné 100 balles. Je considère que j'ai prié. Bon, j'ai regagné 100 balles. Mais excusez-moi. Bon bah j'ai prié. Hein. Je considère que j'ai prié. J'ai donné 100 balles. Bah c'était j'étais pas très impressionnant. Prie, j'ai point demandé. Mais oui, j'ai prié, monsieur. J'ai prié, hein, j'étais là, je vous jure, j'étais là. Toi aussi, tu me dis que c'est bon? Bon, bah d'accord. Mais bon, alors toi tu bouges pas, quoi tu sers? Moi je considère que j'ai prié, hein. Je vais d'ailleurs utiliser ce magnifique sort qui est celui d'Aspa qui s'appelle Quand on arrive en ville, pour retourner à la ferme. Qu'il se passe rien, bah Ellipse et Solus, hein.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors que je vois une échoppe pour acheter des objets, ce qui est très bien. Et là, il y a un trou. Je ne savais pas qu'il y avait ce trou. Ah mon dieu, il se passe des choses. Attendez, je suis pas dedans. Attendez, je suis pas dedans. J'ai vu un truc. Ouais, non, tu sais quoi, ça va attendre demain. On va faire le combat de boss. Et ensuite, ce sera bon. Hein, parce que je le veux. Ouais, là, tu vois, je l'ai vu. Il est là. Mais je vais faire le combat de boss plus tard. Eh. Hey. Ça va. Hop. INN. Hop, bonjour. Bienvenue. Incroyable. 50 balles. Et bah, écoute, moi, je veux bien. Allez. Et moi je suis pas fou. Hein. J'ai vu le boss. Je me suis dit. Non. Non, non, pas avec moi. Pas avec moi. Jamais. Je l'ai senti. On va faire une sauvegarde. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Save. Please save me. Comme dirait je ne sais plus qui. Et maintenant, on va faire le combat. Et ouais, pas fou. Moi je suis pas fou, moi je réfléchis. Et les gens ils réfléchissent pas. Allez, en plus je suis sûr il est toujours. Il a attendu toute la nuit dans mon putain qu'est-ce qu'il fout. Putain je comprends pas. Qui c'est que cette merde? Franchement, c'est pas des héros ça. Alors que Daisy n'est pas là. Elle doit être en train de se battre. Je ne sais pas ce qu'est mon émulateur, mais ça fait 3 fois qu'il est. Je pense qu'il est pas loin de me claquer entre tes doigts. Du coup, je m'excuse. Oh mon dieu. Bonjour, excuse-moi frère. Oh l'Inde, c'est une lettre de Daisy. Je les laisse construire l'église d'Eva ici. Je m'en vais pour la grande église. Puisse la lumière de Saint-Eva être avec toi. Ah, c'est sans aucun doute l'écriture de Daisy. Frère. Quoi? Daisy comprend maintenant bien l'église d'Eva est merveilleuse. J'ai complètement raté cette phrase. Et c'est pourquoi nous construisons une église ici. Pas question. Il est impossible que ma mère puisse croire à une religion comme la vôtre. Que lui avez-vous fait? Ne nous accuse pas. Daisy est devenue une élève de Saint-Eva. Voilà tout. De plus, avez-vous la moindre preuve que nous ayons fait quelque chose? Vous! Oh mon dieu, c'est le combat. Contre. Ah, c'est du 1v1. Ah mon dieu! Vite! Utilise le 8.0 que tu as pris! Pour qu'il fasse un défense plus, c'est une tuile. C'est un paladin? Oh. C'est du 1v1 et c'est ça. Breath of Fire 2, c'est des combats. Avec de la tension. Putain, c'est nul! Et en 1v1, je lui fais quoi? Je fais quoi en attaque simple? Échec. Chien. Je vais. Et si je fais un éclair? Écran. Oh mon dieu, c'est un écran! Je sais pas quoi ça sert. Je vais revenir sur le 8.0 hein, pendant 4-5 tours. Oh mon dieu, quelle attaque à 81! Je vais mourir. Je vais complètement mourir! Je vais rester là-dessus pendant ouais. Ok, j'ai oublié, je vais me soigner maintenant. Attends, je vais me soigner parce que je veux pas mourir. Je voudrais éviter de mourir. Si c'est scripté, ben je suis. C'est bien dommage. Quel combat incroyable. Vraiment, je suis dedans à fond. Je peux plus attaquer, je suis coincé. C'est génial. On aime ça. Est-ce que je vais mourir? Oui. Tu peux mourir? S'il te plaît. Et ben voilà.
Où est le problème? Chaud niveau. Oh, père, ces gens nous posent bien des difficultés. Quoi? C'est vous qui êtes en train de voler la terre que quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. J'ai été averti que Daisy avait donné cette terre après s'être identifié avec l'enseignement de Saint-Eva. C'est exact, et cet homme se trompe. Se trompe? Vous avez un sacré culot. Arrêtez, j'ai la responsabilité de protéger les croyants de notre église. Si vous continuez d'agir en cette façon, vous allez avoir affaire à moi. J'ai pas déjà rencontré lui. Intéressant. Vous n'êtes qu'un serviteur d'un dieu stupide. Saint-Eva n'est pas un dieu stupide. Un jour vous aussi vous comprendrez. Eh bien je ne comprends pas. Et je ne veux pas comprendre. Maintenant, dégagez la propriété de ma mère. On est passé de quelqu'un de très qui aime sa mère à quelqu'un de très hautain. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Je n'ai pas l'intention de laisser continuer ce malentendu. Pourtant, un jour, nous comprendrons les uns les autres. Oui. Oh mon Dieu. Quelque chose semble louche. Vous savez que ma mère n'est pas du genre à changer d'avis comme ça, non? Pensez-vous que les gens de l'église d'Eva l'auraient enlevé? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Nous devons enquêter sur eux et sur leur quartier général. Mais aussi sur l'église Eva. Église Eva, qu'est-ce que cette merde? Je pense que le problème est à église Eva. Les églises des autres villes sont en train d'être abusées. Vous ne pensez pas? Je sais pas. Frère, qu'est-ce qu'on en pense? Ne regarde pas comme ça. Mais je n'ai pas réfléchi au moyen d'aller là-bas. Maintenant, que faisons-nous? Si nous pouvions voler, ce serait facile. Si l'on pouvait voler... Attendez, je réfléchis en rond. Si je réfléchis en rond, ça va peut-être mêler. Eh ben, on va s'arrêter là. Hein, voilà, j'ai pas envie de réfléchir en rond, comme un trou duc. Surtout que mon petit nain, il va bientôt crever. Du coup, je vais aller sauvegarder. Ça fut une petite session de presque 3 quarts d'heure. Qui n'a pas eu de problème. Et c'est bien. C'est bien, voilà, c'est tout. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette belle session en ma compagnie. Je pense qu'on va, je vais appeler ça, labourer les champs à la gloire de Saint-Eva. Ça n'a rien à voir. N'oubliez pas, si ça vous a plu, d'aller voir les autres vidéos que je fais. Toutes les vidéos sont disponibles. Une vidéo toutes les semaines, le mercredi à 15h30, c'est notre rendez-vous quotidien du mercredi. Parce que j'aime bien le mercredi à 15h30. Évidemment, tout ce qui est like, commentaire, si vous avez des petites astuces, des pro tips pour m'aider à m'améliorer dans mon équipement, dans mon aventure, et aussi pour améliorer les stats des personnages. Évidemment, il y a d'autres vidéos, je l'ai dit, sur la chaîne. Abonnez-vous pour la suite. Et j'ai aussi un Twitter et un Instagram où je raconte ma vie et l'avancement des vidéos. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.